Entre 600 et 800 papillons ont investi la serre tropicale d'Océanopolis. Ils sont arrivés ici sous forme de chrysalides qui ont été disposés dans cet éclosoir. Le public peut donc assister en temps réel à la dernière mue de l'insecte. Vous voyez les petits papillons là ? Vous avez vu ces ailes là ? Dans la serre, on présente environ une vingtaine d'espèces tropicales. Donc on a mis en place cette animation justement pour présenter la biologie de ces espèces, la diversité, comme je disais, des formes, des couleurs, aussi l'intérêt de les conserver. Les papillons sont des insectes pollinisateurs, donc il y a vraiment un rôle très important pour l'écologie. Une fois transformés, les papillons sont lâchés dans la serre et parfois, ils se posent sur les visiteurs. Et les yeux, ils sont chelous, quoi. Bah, j'ai pas l'habitude de voir des yeux comme ça. Pour moi, les yeux, ils sont noir et blanc. Là, ils sont, il y a plein de couleurs, quoi. Mais la plupart du temps, les papillons jouent à cache-cache avec le public. Ils maîtrisent l'art du camouflage. Les papillons hibou, qui ont une particularité, c'est au dos de leurs ailes, ils vont avoir ce qu'on appelle des ocelles, des yeux de hibou, qui leur servent à effrayer les prédateurs dans le milieu naturel. Donc là, on présente aussi aux visiteurs toutes les adaptations que les papillons ont mis en place pour effrayer leurs prédateurs. Alors en général, des oiseaux aussi, ça peut être des chauves-souris. Alors on a des papillons qui vont avoir des yeux sur les ailes, d'autres papillons qui vont avoir des serpents, des formes de serpents au bout des ailes. Cette animation inédite à Océanopolis est visible jusqu'au 6 janvier seulement, éphémère comme la vie d'un papillon.